Good morning, allez, Yidden, les suisses, aujourd'hui, le Nishmat Avram, Chaynor, Beomen, Fortune, Mazal, et Yedida, Bethester, si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle, nous étudions Masechet Tmura, Per Exaïn, Mishnah, Dalet. Ve Elohen, Anikbarim, Kodashim, Sheipilu, Ikaveru, Ipila, Shilia, Tikaver, Shor, Aniskal, Ve Egla, Arufa, Ve Tzipore, Metzora, Usar, Nazir, Ufeter, Hamor, Ubazar, Bechalav, Ve Chulin, Shenishchatu, Ba'azara. Rabbi Shimon Omer, Cholin Shinishchatu Ba'azara, Isarifu, Vechen Chaya Shinishchata Ba'azara. Un petit rapport avec la Mishnah précédente, dans la mesure où on avait évoqué dans la Mishnah précédente qu'un korban qui meurt de mort naturelle ou peu importe, qui n'a pas été égorgé en tant que korban, alors il faudra l'enterrer, parce qu'il ne faudra pas en tirer profit. Alors du coup, la Mishnah d'Alet nous rapporte tous les cas de la Torah où il y aura un devoir d'enterrer les choses interdites, de peur qu'on en tire profit. Et en l'occurrence, en fait, il va s'agir de toutes les choses qui sont interdites au profit. C'est-à-dire, je m'explique, il y a des choses qui sont interdites à la consommation, il y a des choses qui sont interdites au profit. D'accord? Ne pas manger d'un animal pas cachère, c'est interdit à la consommation, mais c'est permis d'en tirer profit. Si je veux utiliser de la graisse de chien pour faire quelque chose, j'ai le droit d'utiliser, par exemple. D'accord? À la différence de toute la liste de choses qu'on va voir dans cette Mishnah et dans la prochaine Mishnah. Avec une différence. C'est que dans notre Mishnah, on va voir les choses que, pour que tu n'en tires pas profit ou que personne n'en tire profit, tu auras un devoir de les enterrer pour qu'ils se détériorent dans la terre et qu'ils disparaissent. Ça, ce sera dans la Mishnah d'Alet. Et dans la Mishnah Hey, elle commencera en me disant Veluen Hanisrafim. Ce sont les choses où il y a un devoir de les brûler cette fois-ci. Parce qu'il y a une misa de les brûler. À la différence de notre Mishnah où le devoir il est juste de les enterrer. Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication de brûler si on veut. Peut-être que oui, oui. On expliquera pourquoi. C'est-à-dire, il faut nécessairement les détruire. Comment détruire? Alors concrètement, on peut soit partir le jeter à la mer morte, on rapporte souvent la solution, Yolichem le Yam Melach, mais il y a aussi une autre solution, c'est d'enterrer, de laisser là-bas se détériorer, dans la mesure où ce sont des choses qui vont pouvoir se pourrir et disparaître. D'accord? Et donc la Mishnah commence à me faire la liste en me disant « Veluen anikbarim, telles sont les choses que tu as le devoir de les enterrer. »« Kodashim shehipilu, un animal kadosh qui a fait une fausse couche. » Donc le petit qui va naître, c'est un Vlad, que tu ne peux pas offrir en korban, tu ne peux rien en faire, il est mort. Puisqu'il a un statut de korban, c'est un début de Vlad korban, alors tu as un devoir de l'enterrer. Ikaveru. De même aussi, Hippila Shilia, si elle a avorté une Shilia, elle a fait sortir tout un placenta. Et on voit qu'il y a dedans que du liquide, on n'a pas vu qu'il y avait un petit à l'intérieur. Malgré tout, Ikaveru, il faudra l'enterrer, parce que En Shilia Belovlad, c'est une notion qu'on avait déjà évoquée, je ne sais plus dans quelle fin de ma séchette, on avait peut-être Prorot, ou peut-être même avant, je pense. En Shilia Belovlad, il n'y a pas de placenta s'il n'y a pas dedans un Vlad, un petit. Ah, tu ne le vois pas, tu vois qu'un liquide. C'est que le petit qu'il y avait, il a fondu. Donc il y a dedans un korban. À la différence, s'il y avait une possibilité de faire sortir tout le placenta, même un placenta vide de korban, alors on n'aurait eu aucune contre-indication, parce que tu le laisses traîner par terre. Ah, il y a peut-être un chien qui va venir le manger. C'est pas notre problème. Mais là, puisqu'il y a un korban dedans, puisqu'il y a un animal dedans, un animal qui a été détérioré, eh bien il y a un devoir de l'enterrer. Pour qu'on n'en tire pas profit. Idem encore maintenant pour Shor Aniskal, le taureau qui doit se faire lapider, c'est-à-dire on parle d'un taureau qui a encoronné quelqu'un, un être humain, il l'a tué. Puisqu'il a tué un être humain, alors à Shor Isakel, la Torah l'a dit, il faudra le lapider, et un interdit d'en tirer profit, donc devoir de l'enterrer. Avec aussi Egla Arouve, Egla Arufa, c'est la génisse énuquée, en bon français, on lui a brisé la nuque, c'est la fameuse histoire de la fin de la parasha de Shoftim, où lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, il va falloir apporter là-bas une génisse qui n'a jamais travaillé, et lui briser la nuque, et il y a un interdit d'en tirer profit ensuite, en l'occurrence, il faudra donc l'enterrer. Idem pour Vetsipore Metzora, les oiseaux du Metzora. Les oiseaux du Metzora, le Metzora c'est le lépreux. Lorsqu'il va faire sa purification, il doit porter deux oiseaux. Un oiseau, il y a tout un rituel que le Kohen, il va en égorger un, l'autre il va le garder vivant, et puis il va préparer une eau spéciale en mélangeant avec... en prenant d'autres végétaux, et etzerez ou shnitolat, il va les prendre tous ensemble, il va les tremper dans l'eau et le sang, et il va l'asperger sur le
lépreux pour le purifier. Et après, l'oiseau vivant, il le laisse partir, et l'oiseau mort, il faudra l'enterrer. Et c'est de lui qu'on est en train de parler avec Tzipporé Metzora, même si c'est dit au pluriel. Malgré tout, on ne parle que du Tzipo Metzora qui a été égorgé. Pardon. Vesear Nazir, les cheveux du Nazir. Le Nazir, c'est celui qui a pris sur lui, par exemple, 30 jours de ne pas boire de vin, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas s'impurifier pour les morts. Et alors, il y a deux possibilités. Soit il a fini sa Nazirut, il faudra couper les cheveux, et ces cheveux-là, il faudra les faire brûler au Beth Amikdash. Ce n'est pas le sujet de notre Mishnah. Mais parfois, le Nazir, malgré lui, il a été impurifié. Il est rentré sans faire exprès au cimetière, il s'est retrouvé dans une pièce avec un mort. Il a été impurifié, il devra, à partir du Beth Amikdash, il y aura des korbanot à apporter, il devra se raser les cheveux, et là, ces cheveux-là, ils sont interdits à en tirer profit, il faudra donc les enterrer. Idem encore avec le Peter Hamor. Cette fois-ci, on parle du petit ânon eunuqué. C'est-à-dire, le Peter Hamor, c'est l'âne, lorsqu'elle met bas, l'année, c'est lorsqu'elle met bas, pour la première fois, elle met bas un premier-né, un Bechor Hamor, alors... En théorie, il faut, on apprenait ça dans Prorot, il faut le racheter sur un mouton. Et si le propriétaire refuse de faire cette mitzvah-là, de racheter sa gdusha sur un mouton pour le donner au Kohen, alors la Torah nous a dit, va encore une autre solution, c'est va'arafto, comme celui qui dit, ceux qui disent, qu'il faut que c'est bien de le lire, la paracha de Vaïdaber pour le Kedesh Likol Bechor, tout le matin, là-bas, il y a marqué, l'imlotif de va'arafto. Et si tu ne le rachèteras pas, tu lui feras la harifa, tu la nuqueras, tu lui briseras la nuque avec une hache. Et après, ce petit âne, il est interdit à en tirer profit, il faudra de nouveau l'enterrer. Ou bassar mechalav, le mélange de lait et de viande qui ont cuit ensemble. Il y a un interdit d'en tirer profit, la Torah l'a répété trois fois dans la Torah. Le tevachal gidi bachalavimo, un, ça a été répété trois fois, la troisième fois, c'est pour t'apprendre que. Interdit pour de les faire cuire ensemble, interdit de les manger ensemble, interdit d'en tirer profit. On n'a pas le droit d'en tirer profit. On retire profit d'un animal qui n'est pas cachère. On n'a pas le droit de tirer profit du lait mélangé à la viande. Et même le jeter dans la rue pour qu'un chien vienne le manger, tu n'as pas le droit de le faire. Il faudra nécessairement l'enterrer, et c'est ce que la Mishnah donc nous enseigne ici qu'il faudra l'enterrer pour que ça disparaisse complètement. Vechulin shnishratu ba'azara, idem encore pour un animal chulin, profane, qui a été égorgé dans la Hazara. Au même titre qu'un korban, tu ne le fais pas à l'extérieur du Beth Amikdash. Un animal profane, tu ne le fais pas dans le Beth Amikdash. Il y a un interdit explicite. Et il y a même, je crois, un issur karet, si je ne me trompe pas. On avait appris ça déjà dans Zvachim. Et à part ça, donc maintenant, si tu l'as fait, eh bien, il y a un interdit d'en tirer profit. Puisqu'il est interdit d'en tirer profit, il va falloir l'enterrer, tel est l'avis de Tanakama. Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il nous dit non. Chulin shenishratu bazara, s'il y a un animal profane qui a été égorgé dans la Hazara, au Beth Amikdash, dans la cour du Beth Amikdash, eh bien, il serait fou, il faudra les brûler. Et idem même pour Vechen Chaya shenishrata bazara, idem pour un animal sauvage, un cerf, donc on ne peut pas en faire un corban, même lui, il faudra. Les gorgés à l'intérieur de Lazare. De quoi on parle précisément? C'est quoi le principe? C'est très simple. La prochaine Mishnah nous apprendra que lorsqu'il y avait un korban, qu'il y a eu complication, qu'il a été invalidé, tu as dépassé le temps, peu importe, toutes sortes de manières d'invalider un korban, eh bien, il y aura aussi un interdit d'en tirer profit. Mais là-bas, il y aura une mitzvah spéciale de le brûler. D'accord? Ça, c'est donc pour un notar, pigoul, tamé, toutes sortes de shem, de noms de korban qui ont été invalidés. Ou pour eux, maintenant, puisqu'ils ont interdit, ils ont été interdits à la consommation, alors il faudra les brûler. Pour notre corban, notre animal qui a été égorgé dans la Hazara, qui est un animal profane qui a été égorgé dans la Hazara, et même aussi pour une chaya, à plus forte raison, qui a été égorgé dans la Hazara, alors ces deux animaux-là, c'est pas des corbanotes. Donc en théorie, il suffit de les enterrer. Sauf que Rabbi Shimon te dit, ouais, mais si tu vas commencer à enterrer cela, alors les gens, ils vont voir, on dire, ah, quand il y a un problème, en fait, quand il y a un problème avec un corban, on n'est pas obligé de le brûler, on peut aussi l'enterrer. Ouais, les radins qui ne vont pas vouloir dépenser un peu de charbon ou du bois, on en parle dans Psachim, c'est pour ça qu'ils les évoquent, eh bien, il y avait des gens qui radinaient sur du bois, d'accord? Eh bien, donc eux aussi, ils vont se dire, ah, ben, on peut aussi, on l'enterre. Or, c'est faux. Un corban qui a eu un problème, il faudra le brûler. De ce fait, Rabbi Shimon a dit, dès qu'on rentre au Beth Amikdash, il y a eu un problème dans le Beth Amikdash,
N'importe quelle est la raison, si c'est un animal, un vrai corban qui a été invalidé, ou si c'est simplement un animal profane qui est venu, et même mieux que ça, même si c'est un animal qui n'était même pas apte à être un corban, on ne rentre pas dans la complication, on te demande de tout brûler. D'accord? Maintenant, j'avais évoqué un peu par erreur, mais en réalité, c'est pas exact. C'est bien que je l'ai évoqué sans faire exprès, que je vous avais dit, quand on t'a demandé de l'enterrer, pas obligé de partir enterrer, en théorie, toute manière de le détruire, qu'on pourra ne plus en tirer profit, ça marchera, et ça marcherait, même je dirais, mais pas forcément ça marchera. Parce que j'évoquais le problème de le brûler. Il y a un problème spécifique lorsqu'on brûle, on apprendra dans la prochaine Mishnah, c'est le Tiferet Yisrael en fait qui en parle, et que lorsqu'on brûle, il faut savoir qu'une fois que tu as fini de brûler, tu as le droit de récupérer les cendres et de les utiliser. Or, le Tiferet Yisrael dit ces animaux-là, ces choses-là qu'il ne faut pas en tirer profit, même s'ils sont devenus des cendres, il ne faudra pas les brûler. Donc en réalité, une chose de sûre, c'est vrai que lorsque je t'ai demandé d'enterrer la chose, tu n'es pas obligé de l'enterrer forcément. Si tu veux, tu le prends, tu le jettes, tu l'envoies en orbite. D'accord? Tu l'envoies sur la Lune, tu le jettes dans la mer morte. En tout cas, tu ne pourras pas le brûler. Parce que le brûler, tu auras un problème avec les cendres, qu'on risquera de les utiliser. Comme ça, je déduis, quoi. C'est pas écrit nulle part, mais c'est mes déductions personnelles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, c'est là.